Coucou mes beautés, bon là on se retrouve pour un petit haul, j'allais dire action, non, pour un petit haul Temu. Donc super contente de l'ouvrir, vous voyez, je ne l'ai pas ouvert, j'attends, je l'ai reçu hier, donc je vous dis même pas, je suis super impatient. Bon, je ne sais pas si je vais vous montrer comme ça, ou, oh ben non, je vais peut-être tourner, non, je vais tourner, attendez, je mets ça là ici, je vais mettre ça ici là. Attendez, hop. Attendez, excusez-moi. Hop. Voilà. Et voilà. Et voilà. Allons-y. J'aime bien faire ma sauvage des fois. Hein. T'as allumé la lumière? Attendez. Alors, donc, on commence, je vais montrer un article à la fois. Hein. Bon, ça, c'est pas du scrap, je reconnais, mais c'est pour faire, comment dire, vous savez, quand on se fait, quand on se fait des French manicures, et bah, je vous avais dit, hein, voyez, regardez, je laisse pousser mes ongles, bon, pas trop long non plus, parce que bon, après... Je fais quand même attention hein, qu'il soit pas pour pas griffer tout ça. Mais bon, pas plus que ça. Mais bon, en ce moment, j'aime bien. Je mets du vernis, tout ça. Enfin, pas de façon occasionnelle aussi. Hein, j'en mets pas tout le temps. Et donc, en fait, voilà. Ça, c'est un petit... comment dire? Voilà, c'est ça. Vous voyez, si c'est une espèce de petite... comment? Je pense que c'est un truc un peu en silicone, vous voyez. Et simplement, on vient faire comme ça, vous voyez. J'avais vu ça sur Internet, hein, vous voyez. Donc, on met du vernis blanc. Et après, on fait comme ça. Et normalement, ça va tout seul, quoi. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit, je me laisse tenter. Parce que j'aime beaucoup aussi les French manicures. Et puis, il y a un petit... comment? Un petit racloir, on va dire. Oh, je peux peut-être m'en servir pour le scrap. Je ne sais pas trop. Non, je plaisante. Mais ça, je ne sais pas trop. Bon, je regarderai. Bon, donc, ça, ce n'est pas du scrap, mais... Je suis super contente. Oh mince, je ne l'ai pas rangé. Bon, ça, c'est pas grave. Allez. Ensuite, alors, des petites perles. Vous savez que j'adore les petites perles. Donc ici, on en a... je ne sais pas si c'est marqué sur... on en a 500. Ah, quand même, hein, dis donc. C'est des 4 mm. Moi, j'aime bien les toutes petites comme ça. Vous voyez, vraiment, c'est tout petit. J'aime beaucoup. Ouais. De toute façon, ce n'est pas la peine que je sorte et vous montrer parce que franchement c'est juste pas possible quoi. Non non, enfin voyez, donc ce sont des 4 mm et il y en a quand même 500 hein. Donc moi je suis une grande fan des perles, donc voilà. Attends, je vais regarder que c'est bien fermé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors ça, c'est un petit moule. Je me rappelle plus trop ce que c'est. Ah, je le voyais plus petit, moi. Ouais, j'ai l'impression que... Enfin, déjà, je ne me rappelle plus ce que c'est. Déjà, c'est bien. Je ne sais plus ce que c'est. Ah non, oui, voilà, ça y est, ça me revient. Bon, je le voyais un petit peu plus petit. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est tout petit, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, ça ira quand même. Alors, au niveau de... 3,5. Ouais, ça, je vais vite tester. En fait, c'est pour faire des macarons, vous voyez? Et donc, on voit ici, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça. Donc, je vais mettre une couche de, de porcelaine froide, par exemple, ou la pâte de chez Action. Hein. Et puis après, je vais en mettre une de couleur, hein, que je vais faire avec les petites mousses là, et puis après voilà quoi. Vous voyez, ça va faire un petit macaron. Ouais, ça super contente aussi. Encore des perles. Alors là, c'est quel diamètre? Ah bah, j'en ai pris deux lots alors. Ah, pareil, des 4 mm. Et là, on en a toujours des beiges. Par contre, là, on voit pas le nombre. Ah si, 200. Pardon, j'ai rien dit. Là, il y en a 200.
Ah bah super, hein. Ouais, donc c'est le même diamètre. Alors, après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une petite dentelle. Alors, là, une petite dentelle. Alors, ouais, très jolie, hein, ouais, j'adore. Ah, j'adore, ouais. Regardez. Superbe, ouais, superbe. Alors, ici, bon, je pense que ça doit être, à mon avis, 43 à peu près. Il y a plus d'un mètre. Ouais, à peu près un mètre. Un petit peu plus, quoi, en fait. Elle est vraiment jolie, hein. Oh, magnifique, magnifique. Là. Après, qu'est-ce que... Ah, j'avais pris des papiers. Bon, je m'en rappelais même plus de ça. Ah, j'ai pris encore un autre. Ah, génial. Alors, ça ici. Super, c'est pas les petits cabochons. C'est du 12 mm. Super. Donc ici, ça, c'est bien sympa. J'en ai un. Hein, mais il est beaucoup plus grand. Allez, regardez. Pour des petits bijoux d'album, c'est top. Ouais. Top, top, top. Donc ici, on a la petite attache, vous voyez. Voilà. Et alors après, à l'intérieur, vous pouvez mettre une petite image. On met un petit cabochon. Comment dire, un petit cabochon en... comment dire? Ah, je cherche. C'est un peu un genre de silicone, en fait, vous voyez. Et ça fait très, très joli. Maintenant, même si on n'a pas de petit cabochon, c'est pas un problème, hein, je veux dire... Il y a toujours un moyen de mettre une image et puis de trouver quelque chose pour que ça fasse transparent. Des petits moules. Ah, génial. Ah, ça oui, j'adore. Alors ça, c'est... regardez. Ouais. Oh, c'est super. Oh, là, je suis contente aussi, là, tiens. Alors, il y en a 2, 4, 6. Ce sont des petits moules pour faire des petits embellissements. Attends. Pour faire des petits embellissements. Bon, je vais laisser ouvert. Alors, je vais laisser là, par contre. Regardez. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. Est-ce que je l'ai rangé? Regardez. C'est des petits moules comme ça pour... Et c'est marqué « Sweet ». J'adore. Génial. Attendez, je vous montre. Il est là, normalement. Oui, voilà, il est là. Je ne l'ai pas encore mis dans mon petit atelier. Regardez. Vous vous rappelez, on l'avait fait ensemble, hein, le petit embellissement. Vous voyez, « Sweet ». Donc, là, au niveau... Bon, c'est un petit peu plus petit. Moi, bon, le mien, on est à combien? On est à 2,3. Et là, ici, ce sera un peu plus petit, bien sûr. Ouais, on est à peu près à 2. Bon, enfin, bon, ça va donner ce genre-là. Attendez, je le remets. Hop là. Hop. Donc, bah, je vais les faire de couleur. Hein. Moi, je vais les faire rose. Hein. Ah, génial. Bah, super contente. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, ça, c'est... Je crois que c'est pour faire des porte-clés, je crois. Enfin. Porte-clés ou autre. Hein. Ah. Ah non, n'importe quoi. C'est des bagues. Des porte-clés. Génial. Alors, j'ai recommandé des petites bagues parce que... Oh, je les adore. Elles sont trop belles. Ah, rien... ah voilà, c'est celui-là. L'anneau, là. Non, c'est pas celui-là, il est où? Ah, c'est celui-là. Parce que vous voyez, moi, je mets toujours des anneaux comme ça ici au pouce. Le problème, c'est que c'est souvent très grand. Même dernièrement, je vous avais montré, j'avais fait ici une petite bague avec... c'était du fil aluminium. Et pareil, trop grand. Donc, je me suis dit, si je prends une bague qui... On peut... là par contre alors attendez ah voilà regardez une bague qui est réglable en fait voyez bon il manque un petit chouïa quand même elle est un petit peu petite hein, j'avoue hein. Mais bon
Parce que c'est agaçant quand c'est toujours en train de bouger. Bon, après, on avait tous ces petits modèles-là, vous voyez. Donc, mais elles sont réglables, en fait. Bon, c'est joli, je trouve. Pour le prix, c'est vraiment... ouais. Donc, vous voyez, on a toutes des petites... voilà. Je pense que je vais les mettre comment? Je vais les mettre au pouce, hein. Voilà. Bon, moi celle-ci, vous voyez, il n'y a pas de danger qu'elle bouge, hein. Ouais. J'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus grande, hein. Mais bon. Alors, c'est bien quand même. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Alors ici, là, ah, les petits nœuds. Alors j'ai pris des petits nœuds, ben, c'est des petits nœuds en résine. On en a ces couleurs un peu, ouais, c'est un peu écru. Alors, regardez, oh, c'est trop mignon, hein. Trop trop mignon. C'est tout petit, alors c'est du combien ça? 1 cm. Regardez. 1 cm. Ah, c'est super mignon. Bon, je sais pas combien il y en a, hein. Je sais pas du tout, c'est pas marqué, donc non. Là, par contre, ce n'est pas marqué. Non, non. Voilà. Je pense que c'était marqué jaune pâle. Bon, moi, je dirais que ça fait plutôt écru quand même, hein. Donc, super. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Moi, j'aime bien tout découvrir des petits trucs là. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, c'est des anneaux. Non. Ce ne sont pas des anneaux. Je ne me rappelle plus. Ah si. Ah si, ce sont des petits anneaux que j'ai repris. Alors, bah, ça, j'aime bien parce que, bon, donc, vous voyez, vous avez des petits anneaux. Allez, hop. Au niveau... Oh, ça doit être du... Je pense que c'est du 0,5, ça, à mon avis. Hein. Oui, 0,5. C'est du 0,5, vous voyez? Mais bon, des petits anneaux, ben, j'aime bien parce que ben, je m'en sers. Hein. Ça, ce sont des... Oui, pour cacher. Vous savez, quand on met, par exemple... c'est un mot, hein, c'est parce que le nom, là, il m'échappe. Puis, bon, je vais vous dire, j'ai pas envie de chercher. Oh, ben, tant pis. Hein. Quand je m'en rappellerai, ben, je m'en rappellerai. C'est un truc, ça s'appelle cache, vous voyez? Et on met, admettons, notre ficelle, par exemple, ici à l'intérieur, et on resserre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est juste pour une question, bah, c'est une question d'esthétique. Après, vous avez une petite attache, mais c'est tellement petit que je ne sais pas si vraiment vous voyez bien. Ouais, c'est un nom. Je m'en rappelle, ben, avant, quand je faisais mes petits bijoux, tout ça, je m'en rappelais beaucoup plus des termes, en fait. Mais là, j'avoue que j'en fais plus et... je me souviens plus. Enfin, vous voyez, donc, bon, je m'en sers pour bijoux d'album ou autre. Hein. Et ici, des petites attaches. Regardez. Ça, c'est bien parce que des petits fermoirs. Hop. Ouais, voilà. Des petits fermoirs comme ça, c'est bien. Avec la petite anneau, hein, tout simplement. Hein. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Donc combien il y en a? Je ne sais pas, c'est pas marqué. Hop. Et ici, non. C'est pas marqué. Bon, après, qu'est-ce que j'ai pris? Ça, par contre, non, non, mais je me rappelais plus du papier là. Il y a encore un truc et un truc. Alors ça, des petits anneaux. Ça, je me rappelle plus non plus. J'en ai pris autant des anneaux comme ça? C'est fou ça. Là, il y en a 200. Je sais pas, j'étais peut-être dans une période où j'avais envie beaucoup d'anneaux, je ne sais pas. Ouais, quand même, hein, il y en a 200 là. Bon, bah, écoutez. Hein. Bon, de toute façon, on s'en sert toujours. Hein. Et le papier, il n'y a plus rien là. Le papier, non, non, il n'y a plus rien. Et le papier, oh, c'est très chabi. Hein. Bon, c'est un 15-15, regardez. Un 15-15.
Voilà. Très très joli. Ouais, regardez. Bon, c'est juste un seul côté. Hein. Voilà, on a celui-là. Celui-ci. Le papier, il n'est pas fin hein, du tout. Non. On ne sait pas marqué hein, au niveau du grammage. Oh, c'est joli ça. Les petites roses. On peut faire des choses super sympas. Ouais. Ouais, super joli. J'irais même magnifique. Ouais, bah, les roses, de toute façon. J'adore, hein. Super. Ouais, il est très raffiné aussi celui-là. C'est tout petit, on dirait, hein. On dirait des petits bouquets de roses. Celui-ci. Et le dernier. Voilà. Bah, écoutez, je suis très très contente de mes petites comment mes petits achats. Hein. Ouais, vraiment bien. Super. Hop, ça je vais remettre là, ici, là. Non, bah écoutez, je vais pas vous reprendre parce qu'il faut encore que je relève tout ça. Bah écoutez, j'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. Ouais, je suis super contente, vraiment. Bon, il n'y a pas énormément. Mais vous voyez, là, je suis pressée, c'est de faire les moulages, là. Ouais. Je vais les laisser là, comme ça, voilà. La petite dentelle, pareil. Les anneaux, je n'ai pas compris, en fait, pourquoi j'en ai pris autant. Mais bon, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Les perles, ça, les perles, je m'en sers beaucoup. Donc, bah, c'est bien. Oh, mince, il y en avait déjà une qui s'est promenée. Donc, c'est que le sac, il n'était pas bien fermé. Je vais les ranger tout de suite. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, allez, c'est terminé. J'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie infiniment pour tout. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais des énormes gros gros gros. Bisous!